Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Placement. Au programme cette semaine, on va parler d'immobilier coté, de SCPI à crédit et de dette hybride. Restez avec nous. On commence avec Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Avec notre rubrique consacrée au marché financier. Et une question qui taraude, j'imagine, beaucoup d'investisseurs. 7 séances consécutives de baisse à la Bourse de Paris. Que se passe-t-il ? Oui, 3% de baisse, hein, de correction des marchés du CAC 40 sur une semaine. Ce n'est pas négligeable. Toutefois, le CAC 40 est encore en hausse depuis le début d'année, hein, de plus de 9%. Mais c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'il a plus baissé en fait que le marché américain, qui a très peu corrigé en fait par rapport à ses plus hauts. Or, pourquoi ça corrige ? C'est parce qu'on a des inquiétudes en fait sur la faisabilité de la fameuse réforme fiscale dont on parle depuis des mois et des mois, depuis un an. Le serpent de mer. Le serpent de mer. Et en ce moment, on doute en fait qu'ils aboutissent à une réforme rapidement. Et pourtant, aux États-Unis, on tient un petit peu mieux, hein, les marchés américains. Et pourtant, on tient un petit peu mieux. Donc en fait, c'est quoi la courroie de transmission à l'Europe ? C'est parce que c'est toujours pareil, c'est la devise en fait. Le dollar, vous avez vu en même temps dans quel sens s'il rebaisse un petit peu en fait, et donc l'euro remonte et c'est défavorable aux actions de la zone euro. Alors ça, c'est quand même très paradoxal parce qu'en même temps, aujourd'hui, on a eu les chiffres de la croissance de la zone euro qui sont excellents. Ouais. 2,5% de croissance sur un an pour la zone euro, c'est plus que les États-Unis qui ont fait 2,3% de croissance sur un an. Ça veut dire quoi, vous restez serein sur les actions européennes ? On sait que c'est un des placements que vous favorisez depuis plusieurs mois. Oui, tout à fait, en fait. C'est vrai que c'est un peu regarder dans le rétroviseur, hein, regarder la croissance sur le troisième trimestre. Il faut regarder devant soi. Et devant nous, en fait, les indicateurs avancés montrent qu'il y a peu de raisons que la croissance faiblisse dans les mois qui viennent. Donc, on reste investi, en fait, dans les actions de la zone euro. Et la correction est peut-être même une bonne opportunité pour rentrer de nouveau ou accélérer les placements en actions de la zone euro. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent en direct qu'ils peuvent intervenir dans l'émission sur la page Facebook de Bien Prévoir. Vous pouvez poser vos questions ou sur la chaîne YouTube de Décideur TV. Il y a un chat qui est là pour ça. N'hésitez pas. Alors aujourd'hui, Jonathan, on s'intéresse à un sujet qui est l'immobilier coté, les fameuses foncières. C'est quoi une foncière ? Alors une foncière, en fait, c'est une société qui est propriétaire de bâtiments, d'immeubles, de centres commerciaux. Et qui est coté donc en bourse, donc qui publie ses résultats tous les trimestres, hein, qui sont validés par le commissaire aux comptes, comme toute entreprise cotée, deux fois par an, les semestriels. Il y a un régime fiscal que peuvent adopter les foncières, c'est pas obligatoire, qui s'appelle SIC, hein, Société d'investissement immobilier cotée. Toutes les grandes sont sous ce régime. La plupart sont sous ce régime-là, qui est un régime en fait dérogatoire. Elles ne payent pas d'impôts sur les sociétés, mais en contrepartie, depuis maintenant de 3 ans, les dividendes sont complètement imposés. Il n'y a pas l'abattement des 40% pour l'actionnaire. On parle souvent dans cette émission de SCPI. Comment est-ce qu'on distingue les SCPI des SIC ? Alors, les SIC dont on va parler aujourd'hui, Unibail par exemple, c'est 45 milliards d'actifs bruts. Si vous enlevez la dette, on est à 25 milliards. Il n'y a pas d'SCPI qui ont cette taille-là. Donc, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus diversifiées. Donc, un pouvoir, en fait, sur le marché qui est beaucoup plus fort, ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Pourquoi est-ce que vous... Oui. Il y a des différences, en fait, qui sont importantes, intéressantes, en fait, sur les SIC, sur les foncières cotées. Il y a des avantages à aller dessus. C'est qu'elles sont beaucoup plus liquides qu'une SCPI. Et donc, on sait que si un jour ça se passait mal, on pourrait ressortir beaucoup plus rapidement. Oui, elles sont valorisées en temps réel. C'est le principe des actions. C'est le principe des actions. Les SCPI, quand ça se passe bien, on peut faire un retrait, un rachat, et on trouvera un investisseur qui va racheter nos parts. Mais si ça se retournait, on sait qu'il y aurait beaucoup moins de collecte, et donc il y aurait plus de vendeurs que d'acheteurs. Pourquoi vous décidez de miser sur les foncières à l'heure actuelle ? Alors parce que on pense que le scénario actuel, notre scénario, est un scénario qui est favorable en fait à l'univers de l'immobilier coté. D'abord parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la croissance économique est solide. Et ça, c'est quand même le moteur économique, le moteur numéro un en fait pour valoriser les foncières. Plus de croissance, aussi un chômage qui baisse. Donc plus de consommation. Donc pour des foncières qui investissent, par exemple, sur les centres commerciaux, c'est favorable. Oui, comme on dit, quand l'immobilier va, tout va. On pourrait dire le contraire. Quand tout va, l'immobilier va aussi.
Oui, c'est un peu ça, effectivement. C'est très lié en fait au scénario global. Donc le chômage, l'investissement des entreprises. Les entreprises vont mieux. Donc quand on investit dans des bureaux, c'est favorable. Il y a peu de chances en fait qu'il y a moins de chances que les entreprises ne payent pas leur loyer. Et si elles vont mieux, elles pourraient même accepter de payer des loyers un peu plus chers. C'est favorable pour l'investisseur en immobilier. Est-ce qu'il y a des bémols? Alors, bien sûr qu'il y a des bémols, toujours. Le bémol numéro un, c'est qu'on est plutôt en phase de remontée des taux. Et une remontée des taux, c'est quand même défavorable, toute chose égale par ailleurs, pour l'immobilier. Ça fait baisser la valeur de l'immobilier. Maintenant, par rapport à ça, nous, on est moins inquiets parce que tout le marché anticipe que les taux sont en train de remonter. On n'est pas les seuls, en fait, à le dire. La question reste la vitesse de remontée des taux, mais dans la valorisation actuelle des foncières, il y a déjà d'intégrer une remontée des taux. Le marché anticipe que les taux à 10 ans vont remonter à 1,60 d'ici quelques temps. Et donc ça, si ça se produit, ça n'aura pas d'impact sur la valorisation des foncières. Si les taux remontaient plus vite que ça, alors oui, ça pourrait avoir un impact, mais on ne pense pas que ça va s'accélérer parce que la BCE n'a pas intérêt à ce que les taux remontent trop vite, ça casserait la croissance. Et pourtant, elles ont un parcours boursier qui n'est pas forcément aussi formidable qu'on pourrait l'espérer ou qu'elles pourraient l'espérer. Et là, il y a la question des centres commerciaux américains. Alors, quel est le lien entre les foncières européennes et les centres commerciaux américains? Oui, alors ça touche surtout Klépierre, Unibail, moins foncières des régions, par exemple, qui n'a pas de centre ou peu de centres commerciaux. Elles ont baissé en fait depuis le début d'année parce qu'aux États-Unis, c'est vrai que les centres commerciaux sont attaqués par Internet et donc ont une rentabilité qui chute. Donc, c'est Amazon oblige. Amazon oblige. Hein, on voit tout l'impact d'Amazon. Mmh. On l'a vu dans cette émission sur différents pans de l'économie. Là encore, on voit un impact majeur. Maintenant, on pense que le marché a surréagi par rapport à cette nouvelle. Et on ne pense pas que ce qui s'est passé aux États-Unis arrivera en France et en Europe, parce que les centres commerciaux sont très différents des États-Unis. D'abord, en France et en Europe, il y a toujours en fait un magasin alimentaire qui attire le trafic, ce qui est moins le cas en fait aux États-Unis. Donc, les centres commerciaux ne se vident moins, ou se vident pas par rapport à ce qu'on voit aux États-Unis. Le mix des magasins est plus intéressant en Europe par rapport aux États-Unis. Et puis, dernier élément, il y a moins de centres commerciaux. En fait, la densité des centres commerciaux est beaucoup plus faible en Europe. Donc, il y a moins de concurrence qu'il peut y en avoir aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'on pense que le marché a surinterprété en fait ce phénomène-là. Et donc, c'est intéressant d'aller acheter des actions qui ont baissé de manière exagérée pour nous. Et alors, vous mettez justement ça en pratique avec le lancement d'un nouveau produit structuré. On sait que vous proposez régulièrement aux investisseurs des produits structurés dédiés aux foncières. Tout à fait. À quoi ça ressemble? C'est une des premières en France, hein, proposée aux investisseurs, au retail. Donc, c'est un produit structuré qui est assis, en fait, sur les trois foncières que j'ai citées tout à l'heure. Klépierre, Unibail-Rodamco et foncière des régions. Donc, c'est les trois en un, en fait. Les acheter séparément, on achète ce package. Ce package. Et comment il fonctionne? On rappelle, en fait, le fonctionnement de ce produit structuré. Ce n'est pas une action classique. Non, hein. On n'est pas investi directement dans les actions, mais on est investi au travers le produit structuré. On a un coupon en fait de 4,25 brut par semestre, donc l'équivalent de 8,50 par année, si aucune des actions n'a baissé de plus de 30%. Donc on est protégé pour les coupons jusqu'à 30% de baisse des valeurs. Et si on baisse de plus de 30%, on ne touche pas les coupons. Une seule des actions qui baisserait. Une seule des actions, on ne touche pas le coupon. Mais par contre, le coupon est mis en mémoire. Et si le semestre d'après, l'action revient au-dessus de son niveau, alors on touche le coupon qu'on n'a pas touché auparavant. Et sur le capital, on est protégé jusqu'à une baisse de 40% de l'action qui a le plus baissé. Donc ça permet d'aller sur les foncières avec une certaine protection du capital. Si l'action baisse de 20%, on récupère quand même 100% de sa mise. Mais si elle baisse de plus de 40%, on touche des actions, c'est ça le concept? Voilà, on touche la valorisation en fait, des actions. Voilà, on a fait le tour, je pense, de ce sujet sur les foncières. Ou il y a encore une conclusion à ajouter? Non, en conclusion, on peut dire que c'est en ce moment un outil de diversification, parce que c'est ce qu'on prône en permanence chez bienprévoir.fr. Et donc, c'est une manière d'aller sur un produit qui n'a pas beaucoup été émis, donc où les gens sont peu exposés. C'est une nouvelle façon d'aller sur l'immobilier qui est intéressante selon nous. Merci Jonathan pour toutes ces explications. Vous êtes en train de regarder Parlons Placement. Je vous invite à nous poser des questions si vous en avez. On va rester dans le domaine de l'immobilier avec Vincent Kutkovits qui va nous parler de SCPI. A tout de suite.
Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Le SCPI à crédit, les SCPI à crédit, est-ce toujours le bon moment d'investir? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Ouais. C'est vrai que bon, on est un peu perdu avec ce qui se passe hein, comme contexte autour de l'immobilier ouais. en France. Hein. Et vous allez essayer de nous aider à y voir clair. Déjà, comment est-ce que ce marché des SCPI de rendement de bureau et de commerce se porte-t-il ? Oui, comme on vient de le voir, on vient de parler des foncières. La logique est la même. L'immobilier de bureau se porte plutôt bien, en fait. On a actuellement, par exemple, un indicateur qu'on regarde beaucoup, qui est le taux de vacance en Île-de-France ou même à Paris. Le taux de vacance n'a jamais été. Donc, le taux de vacance, c'est le nombre de bureaux qui ne sont pas occupés en réalité. On est quoi, presque à 3%? On est à 3%, alors que historiquement, en dessous de 5%, c'est déjà des chiffres absolument historiques. Donc, à 3%, c'est vraiment du jamais vu. Oui, on peut dire que c'est le plein emploi version bureau, pleine occupation tout à fait. Pratiquement. La bonne nouvelle, c'est que en étant accompagné par une croissance qui est de plus en plus forte, comme on l'a vu également, en étant également sur une inflation qui commence à montrer des signes, même si elle est faible, des signes de réveil, on commence à voir, par contre, une pression sur les loyers et les loyers remonter. Ce qui fait que probablement, en 2016, on a eu des rendements moyens sur les SCPI de rendement qui étaient de 4,6%. Il est probable, les experts considèrent que cette année, en 2017, on va rester à ce niveau-là, ce qui fait que la baisse progressive qu'on a connu ces dernières années devrait peut-être connaître un stop, un arrêt, et qu'on devrait commencer à revoir le rendement des SCPI, déjà commencer à remonter. Donc, ça veut dire quoi? On a mangé notre pain blanc? Alors, on a mangé notre pain blanc, c'est possible, on peut se le dire. Maintenant, on reste encore très prudent, et il n'empêche qu'aujourd'hui, des SCPI à 4,6%, ça reste un couple rendement risque extrêmement attractif par rapport à ce que les autres placements, sans risque notamment, offrent. Il y a un risque en capital sur les SCPI, mais il est quand même mesuré. Donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, c'est une excellente solution. Et mais alors, vous essayez voilà. même de la pimenter un petit peu, cette solution, avec un montage assez innovant. On va essayer de rentrer dans le détail, c'est le crédit en fait. Voilà, on va l'indiquer à travers un slide qu'on peut afficher. Alors, ce triangle, ce n'est pas le triangle des Bermudes, c'est le triangle de l'épargne voilà. Des SCPI. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, on peut développer son patrimoine aujourd'hui grâce à l'immobilier. Je ferai une petite parenthèse quand même, on a beaucoup décrié l'immobilier ces derniers temps, parce que l'arrivée de l'impôt sur la fortune immobilière a eu, d'une certaine manière, à générer, on a regardé à la loupe, l'immobilier, les projecteurs se sont focalisés sur l'immobilier et peut-être que certains épargnants ont eu l'idée de se dire qu'il fallait complètement sortir de l'immobilier. Or, finalement, il ne faut pas complètement évacuer cette classe d'actifs. Maintenant, il faut y aller. Alors, c'est là où c'est intéressant, avec la dette. Parce que dans la logique d'impôt sur la fortune immobilière, tout ce qui est dette n'est pas pris en compte d'une certaine manière. Donc, nous, ce qu'on essaie de proposer à nos épargnants, c'est le schéma qu'on a à l'écran. Donc, il s'agit en fait d'associer trois éléments. Une SCPI de rendement, donc classique, qui on peut considérer va rapporter entre 4,5 et 5% sur l'année 2017. Elle sort des loyers. Elle sort des loyers, voire mensuellement ou trimestriellement, tout à fait. On associe à ça une SCPI, elle, qui est assise uniquement sur des biens en nue propriété, la nue propriété démembrée, c'est-à-dire qu'en fait elles ne vont pas générer de revenus, donc pas de fiscalité en même temps, et elles ne vont avoir en fait que des biens. Alors elles vont acheter 100% de parts en nue propriété. Vous n'avez pas acheté de la nue propriété de parts de SCPI. Je ne veux pas rentrer dans la technique, un peu compliquée, mais en tout cas vous allez avoir là une SCPI qui va se revaloriser, qui va capitaliser d'année en année, qui ne va pas dégager de loyer. C'est là où est l'astuce. Elle ne va pas dégager de loyer, donc elle ne va pas vous exposer à une fiscalité supplémentaire. Mais quand on associe en fait ces deux SCPI à du crédit, on a là un effet de levier qui est maximisé. Et en même temps, on a une mécanique parfaitement huilée qui peut fonctionner pendant 20 ans avec un crédit à 20 ans. Ça marche très bien. Et en fait, le cocktail, c'est ça. D'un côté, on a des rendements qui sont compensés par les intérêts. Exactement. Et de l'autre, on a une valorisation sur le long terme qui ne vient pas gréver fiscalement, finalement, le montage. Tout à fait. Et donc, finalement, l'avantage et l'effet qui va être allié à tout ça, c'est le fait que vous pouvez déduire les intérêts d'emprunt. En déduisant les intérêts d'emprunt, vous créez d'une certaine manière un déficit qui peut être d'ailleurs, pour ça, ça peut être intéressant pour ceux qui disposent par ailleurs de revenus fonciers de même nature. Ils vont pouvoir utiliser... Par exemple, on loue un appartement, un studio... Voilà, si on n'est pas dans le cas, en gros, des LMNP, des cas un peu particuliers, des cadres fiscaux un peu particuliers, si on n'est pas dans ce cas-là, mais plutôt dans l'immobilier locatif classique, on peut très bien allier ce montage-là et finalement venir impacter les intérêts d'emprunt
dans son déficit foncier, accroître son déficit foncier comme ça. Donc finalement, sans entrer trop dans le détail, là, on va pouvoir, et on le voit dans le dernier tableau qu'on peut mettre à l'écran. Vous avez apporté un exemple on a comparé, pour qu'on comprenne effet les deux options, l'alternative. Donc, montage classique, montage mixte. On est toujours dans le cadre de SCPI à crédit. Dans le montage classique, c'est ce qu'on voit depuis un certain nombre d'années, ce que beaucoup d'épargnants connaissent maintenant, c'est l'acquisition de SCPI de rendement à crédit. Et à côté, on a imaginé ce schéma-là où on va avoir ce triangle, ce montage un peu mixte, SCPI de rendement, SCPI de nue propriété plus un crédit. Et là, on voit qu'en fait, avec cette mécanique, on va pouvoir, et c'est ce qu'on voit dans la dernière ligne, le coefficient démultiplicateur en fait, de l'épargne va être beaucoup plus fort. C'est-à-dire que sur une même durée de 20 ans, avec un montage classique, on va pouvoir mettre à peu près, si on a par exemple une capacité d'épargne de 130 € par mois, on dégage, on s'endette pour 100 000 €, mais on aura épargné 30 000 € à peu près. Et à la fin, au bout de 20 ans, on a à peu près un capital de 110 000 €. À l'inverse, dans le cas où on a fait ce montage mixte, on va avoir un effort d'épargne moindre que dans le cas précédent, puisqu'on a la logique qu'on a évoquée tout à l'heure du déficit foncier, du fait qu'on puisse intégrer le coût du crédit. Donc finalement, ça vient réduire le niveau d'épargne. Une mise de départ un peu plus importante. Une mise d'épargne peut-être plus importante, mais en tout cas, au moins le mois, c'est quand même un schéma un peu plus léger à financer. On a épargné 24 000 € sur 20 ans, mais par contre, on se retrouve avec un capital plus important et l'effet des multiplicateurs est là beaucoup plus important, il est de 4,1. Donc tout ça pour démontrer qu'en fait, ce schéma-là confirme le fait qu'il faut aujourd'hui, que c'est une possibilité intéressante d'investir dans les SCPI à crédit. On est peut-être dans un schéma un peu plus technique, mais qui, sur la durée, s'il est bien monté, est parfaitement intéressant. La difficulté, c'est de pouvoir le faire. Voilà. Techniquement, c'est quand même assez lourd, c'est compliqué. Est-ce qu'il faut mettre toutes les pièces du puzzle ensemble ou est-ce qu'on peut commencer par l'une et puis 6 mois après... En théorie, ce que j'expose là, vous pouvez aller voir votre banquier et tenter de le faire, ça sera très difficile. L'astuce finale, c'est en fait de passer par des systèmes packagés où le crédit, les SCPI sont complètement intégrés dans une offre que proposent généralement les conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Le banquier ne le fera pas. Votre banquier du coin de la rue ne pourra pas le faire parce que ces offres ne sont pas structurées de cette manière-là. Donc là, on a le crédit, on a le choix des SCPI. La mécanique est déjà mise en place, elle est huilée. Donc il suffit de s'adresser à un conseiller en gestion de patrimoine et à ce moment-là de pouvoir accéder à ce montage. Voilà, et donc ça permet de concilier toujours ce placement que vous appréciez, hein, les SCPI adossés sur de l'immobilier, si on voit le contexte qui est un peu moins porteur, et d'essayer d'optimiser finalement. Complètement. C'est vrai qu'il est moins porteur, on ne l'a pas trop évoqué, parce que finalement, aujourd'hui, l'immobilier prend l'IFI en pleine figure, même si ce n'est pas un coût supplémentaire par rapport à la situation précédente, mais surtout ne bénéficie pas de la flat tax. Donc c'est l'impôt sur revenu qui s'applique aux revenus fonciers, en gros. Donc, quand on est sur des tranches marginales d'imposition élevées, on ne bénéficie pas de la fiscalité qu'on pourrait avoir sur les placements financiers. Et donc, c'est là où aujourd'hui l'intérêt d'utiliser la dette pour réinvestir l'immobilier. C'est très clair. Merci beaucoup, Vincent, de nous avoir présenté ce montage SCPI à crédit. Et on se retrouve une prochaine fois. On va parler maintenant de dette hybride avec Alta Roca AM. On a le plaisir d'avoir avec nous Xavier Hoche. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes gérant et fondateur d'Alta Roca AM. Vous nous présentez votre maison en quelques mots ? En quelques mots, on est spécialisé sur la partie obligataire. Les obligations, pour ceux qui ne savent pas, c'est je prête de l'argent à une entreprise, ils me payent des coupons, ils me remboursent à la fin. Et donc on fabrique des fonds au travers de cette dette obligataire. Donc un marché que vous connaissez bien, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Exactement. Combien de fonds à votre actif Combien de fonds montés? En 20 ans, une petite vingtaine de fonds montés. D'accord. Il y a différentes catégories d'obligations. Les obligations dites convertibles qui permettent éventuellement de récupérer des actions et les obligations datées qui sont plus classiques. Oui, les fonds obligataires, c'est aussi diversifié que les fonds actions. C'est-à-dire que vous avez des fonds sur les actions, des small cap, des mid cap, des big cap, des internationaux, etc. Sur les fonds obligataires, c'est la même chose. Et nous, on est spécialisé sur les fonds convertibles et puis sur les fonds datés à rendement. Historiquement, c'est ce qu'on fait.
un secteur pas mal chahuté avec ce contexte de baisse des taux, hein, des banques centrales qui rachètent tout et donc qui font baisser les taux d'intérêt. Mmh. Comment est-ce que vous réagissez? Comment se réagit ce marché obligataire? Alors, les premiers fonds datés qu'on avait lancés avec Muriel Blanchet, quand on était à l'époque chez Odo, c'était en fin 2008, début 2009, c'était 8% de rendement. Mmh. Alors, l'idée, c'était de packager un fonds et puis de mettre à l'intérieur à peu près 70 obligations différentes pour diversifier vraiment le risque. Il y avait à peu près 8% de rendement. C'était un peu comme de la gestion de portefeuille actions classique. C'est exactement comme de la gestion de portefeuille actions classique, mis à part qu'au lieu des actions, on met des obligations et puis on sera remboursé petit à petit. Qu'est-ce qui a changé? C'est que les taux, au départ, ces fonds qu'on avait lancés sous le même format, ça rapportait en 2009, ça rapportait 8%, puis 7, puis 6, puis 5. Et maintenant, ça rapporte un peu moins de 3%. Donc on s'est posé la question, alors on en a lancé il y a 2-3 ans, ça rapportait encore 5-6%, et puis on s'est posé la question, est-ce qu'il faut en relancer, puisque les particuliers aiment beaucoup ce type de fonds, parce que c'est très facile, puisque vous avez une série d'obligations à l'intérieur. Et puis on a essayé de regarder un peu dans cet univers obligataire qui est vraiment diversifié, et on a trouvé 2-3 trucs un peu plus smart. Alors on est là pour en parler justement, qu'est-ce que vous avez déniché d'un peu plus smart? Alors d'un peu plus smart, non, c'est un vieux concept, ça existe depuis longtemps, c'est les obligations hybrides. Ça existait dans le monde bancaire notamment? Alors ça existait dans le monde bancaire, alors nous on va s'intéresser au monde hors banque, hors assurance. Donc parce des entreprises classiques, industrielles. Classique, industrie. Alors qu'est-ce que c'est cette dette hybride? C'est des dettes hybrides, en fait c'est des dettes donc émises par des entreprises industriels, type Total, Orange, RWE, etc., qui vont émettre des dettes qui ont une première caractéristique, c'est qu'elles sont perpétuelles. Alors, vous allez me dire, perpétuelle, ça veut dire quoi? C'est un peu la rente. Que je serai jamais remboursé? C'est la rente de nos grands-parents au départ. Nos grands-parents, ils avaient des rentes qui leur payaient chaque année un certain montant. C'est-à-dire que j'investissais en capital et je touchais en rente exactement. Mon remboursement. Je ne retouchais pas mon capital à la fin. Voilà. Alors, donc, les hybrides ont repris ce concept-là, mais ils ont mis un petit truc en plus, c'est qu'ils ont mis la possibilité pour l'émetteur de rembourser au bout de 5 ans. Donc, toujours Total, vous prêtez Total à perpétuité en rente. Et puis Total vous dit, dans 5 ans, je peux te rembourser tes 100 que tu m'as prêté. Et donc, on réinvente finalement l'obligation datée classique. Et on revient sur une obligation datée classique. Alors, historiquement, c'est toujours ce qu'ils ont fait. Donc, il faut s'assurer qu'en fait, ils vont tout faire pour nous rembourser à ce moment-là. Parce que s'ils ne le font pas, on le rappelle, on se retrouve avec juste le rendement et la rente. Et s'ils ne le font pas, on se retrouve avec le rendement et la rente. Alors, ils n'ont pas intérêt à ne pas le faire. Alors, qu'est-ce qui va les inciter à le faire? Ce qui va les inciter à le faire, c'est qu'en fait, ces obligations hybrides ont une particularité, c'est que pour une entreprise, quand elle émet d'une obligation classique, c'est de la dette. Donc elle augmente sa dette. Si elle fait une augmentation de capital, elle augmente ses fonds propres. Et là, pour une hybride, on fait donc une augmentation, on fait des obligations, mais qui rentrent dans la catégorie fonds propres. Donc c'est vraiment intéressant pour elle. Elle renforce ses fonds propres tout sans en ayant une... la dette. Sans augmenter la dette. Et donc c'est intéressant pour ça elle. Ça, c'est intéressant pour elle. Et pour moi, investisseur, en quoi c'est intéressant? Alors pour vous, investisseur, ce qui est intéressant, c'est qu'en contrepartie de cette augmentation de fonds propres, qui est super intéressante pour elle, elle va dire, je vais lui donner quelque chose. Alors, je vais lui donner un coupon un peu plus élevé. Et donc, elle va donner un coupon, entre 5 et 10 fois plus élevé que ce qu'on a d'habitude. Et donc, on se retrouve 5 ou 10 fois plus élevé. Donc, on prend un exemple. Total, par exemple. Total, je prête 100 à Total. Il me paye un coupon entre 3,5 et 4 selon les différentes, puisqu'il y a plusieurs hybrides. Et puis, l'idée, c'est que dans 5 ans, il va me rembourser. Et puis, s'il ne me rembourse pas, il me paye un taux variable, qui est le taux en vigueur 5 ans à ce moment-là, plus une marge qui est à peu près égale à 4%. Et Total, donc 3,5 ou 4, voilà. Versus une obligation datée chez versus Total. Versus une obligation datée chez Total. Alors, les dernières émises rapportent 0,2% par an, par exemple. Donc là, on est même encore plus que dans le 10 fois plus. Donc on voit qu'il y a en effet une énorme prime à aller sur ce segment. J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à y penser. On n'est pas les seuls à y penser. Alors, sur les marchés, il n'y a rien de gratuit. On en discutait tout à l'heure. Donc il y a forcément des risques. Ces risques, c'est un risque d'allongement. C'est un risque de subordination. Ce n'est pas un capital garanti, encore une fois. Si Total fait faillite, dans un premier temps, c'est les salariés et l'État qui se servent. Dans un deuxième temps, c'est les banquiers. Dans un troisième, Il ne reste plus rien. Donc, il reste beaucoup moins de trucs. Et puis, dans un dernier temps, avant les actionnaires, on passe juste avant les actionnaires, il reste les porteurs d'hybrides. Et généralement, ils ne récupèrent rien. Donc, toute la question, c'est de savoir est-ce que Total va faire faillite ou pas. Ce n'est pas ce qu'on leur souhaite. Ce n'est pas ce sur quoi vous misez. Et d'ailleurs, si on achète des actions ou des obligations datées, on porte aussi ce même niveau de risque. Mais j'imagine que donc cette niche, c'est un peu comme le high yield à une époque, c'est-à-dire les hauts rendements. À mesure
que tout le monde va s'y intéresser, bon, on va avoir des coupons qui vont diminuer. À mesure que les gens s'y intéressent, malheureusement, les coupons diminuent. Donc, il faudrait presque pas en parler. Alors arrêtons d'en parler. Bon, et donc, ça s'appelle non, comment, alors, ce fonds? Et puis, non, c'est pour ça qu'il y a des très belles perfs ces derniers temps. C'est qu'effectivement, ça commence un peu à savoir. C'est un marché qui existe depuis les années 2000, qui s'est vraiment développé en 2013. Que sur les grosses signatures? Que sur les grosses signatures, quasi exclusivement. C'est 80, c'est un peu pas plus ouvert 90% à toutes les entreprises, en fait. Ouais, c'est 90% d'émetteurs, ce qu'on appelle les émetteurs dans notre jargon, investment grade. C'est les mieux notés, les plus solides, les plus récurrents, les plus, etc. Et donc, vous arrivez à servir du combien, alors, au final? Et l'idée, c'est d'avoir alors, le rendement moyen à maturité, c'est de l'ordre de 4%, mais c'est d'avoir effectivement dans les 2-3 ans qui viennent à peu près un objectif de 4% par an. 4% par an, ouais. Qui dans le contexte de rendement actuel. Il faut le replacer dans le contexte de rendement actuel. Bien sûr. Et quand même une belle opportunité, on pense. Bon. Combien sous gestion, enfin combien d'encours dans ce fonds hybride? Alors, ce fonds hybride, on vient juste de le lancer, donc il est tout naissant. D'accord, donc on peut encore en profiter. Il y a une petite cinquantaine de millions d'euros à l'heure actuelle. Et vous sentez que les entreprises, les émetteurs sont réceptifs et vont offrir davantage de profondeur à ce marché? Alors les émetteurs sont très réceptifs et émettent de plus en plus. On a eu des gros émetteurs comme Volkswagen, par exemple, qui sont arrivés. Il y a eu EDF qui est arrivé, qui sont venus sur ces marchés, qui ont émis pour renforcer leurs fonds propres. Et pour plein d'autres raisons, en fait, je ne rentrerai pas trop dans la technique, mais toutes les agences de notation le considèrent à moitié en dette, à moitié en fonds propres, et ça les intéresse beaucoup, pour défendre leur rating, pour défendre leur qualité de signature, ils émettent ce genre de choses. Et ça leur coûte un bras, on est d'accord, mais concrètement, ça ne leur coûte rien par rapport à ce que ça pourrait leur coûter s'ils avaient un déficit de fonds propres. Et oui, parce que ce qu'ils perdent en rendement, ils le gagnent en valorisation de l'action, en bilan, en lecture de bilan. Est-ce que ça veut dire que vous allez finalement ne faire plus que ça à terme? Plus que des hybrides? Oui. Oh non, parce qu'on aime bien tout le reste. Et puis ensuite, encore une fois, c'est des produits qui sont super intéressants maintenant. Et puis si dans 3 ans, il y a un autre produit super intéressant, on continuera à gérer celui-ci, mais avec beaucoup moins d'encours. Et puis on dira aux gens, bah, écoutez, il y a une meilleure opportunité à aller sur... Si les fonds datés, s'il y a des bons rendements sur les fonds datés, on relancera un fonds daté, on n'a aucun problème avec ça. On adore ce concept. Je profite d'avoir un spécialiste des taux comme vous pour poser la question à 1000 euros. Hein, comment est-ce que peuvent réagir les taux des banques centrales? Et est-ce que vous voyez un risque? Comment est-ce que vous pilotez ça? Et comment vous essayez d'anticiper ce danger d'une remontée brutale? D'abord, si on veut voir un risque, on essaie de voir à peu près où est le point d'équilibre. Le point d'équilibre sur les taux longs, généralement on dit les taux longs, c'est croissance plus inflation. C'est jamais très vrai, mais c'est jamais complètement faux. Donc on a dit tout à l'heure à 2,5 de croissance, 1,5 d'inflation, vous faites le calcul. Les taux ne devraient pas être à ce niveau-là, puisqu'on est en Allemagne, on est à 0,5% sur le 10 ans, et en France, on est autour de 1%. Donc là, il y a une marche. Exactement, il y a une vraie marche, on n'est pas du tout au point d'équilibre. La raison, vous l'avez cité, c'est les banques centrales qui achètent massivement toutes les obligues, que ce soit des obligues d'État, que ce soit des obligues corporates, qui achètent tout ça. Alors, tout le monde dit, oui, mais un jour, ils vont arrêter d'acheter, ils vont lâcher l'élastique. Alors, OK, mais à part pour se taper une bonne poilade entre midi et deux et se dire, tiens, on a lâché l'élastique, ils se sont tous pris l'élastique dans la figure, il n'y a aucun intérêt à faire ça violemment. Donc, la thèse qu'on descend, en tout cas, c'est de dire qu'ils vont effectivement ralentir leurs achats. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils ralentissent leurs achats dans un premier temps. Et puis ensuite, ils ralentissent d'investir. Et puis, ils baissent tout ça. Et puis, tout ça se passe dans la durée. Ça se fait sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Et le but est que l'élastique, en effet, revienne doucement. Et qu'il fasse revenir l'élastique doucement. Parce qu'effectivement, là, vous avez raison, c'est que s'il lâche l'élastique, alors là, ça va faire vraiment mal. Mais ce n'est pas du tout la thèse. Et personne n'a intérêt à ce qu'il lâche l'élastique. Mais la tendance de fond est quand même à une remontée pour recoller à cette croissance plus importante. Voilà. Donc dans 5 à 10 ans, effectivement, on sera sur 4%. Il n'y a aucun débat. Bon. Merci Xavier de nous avoir présenté stratégie, ces fonds en dette hybride. C'est un sujet intéressant. Et puis, une prochaine fois, on espère vous réaccueillir dans Parlons Placement. Voilà, c'est la fin de Parlons Placement. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode.